Et donc voilà, du coup on est parti pour une petite game avec Sejuani sur la, dans la jungle. On est avec Ramuz, Zed, MF et Sona. On va un peu comment ça se passait, sachant qu'on est quand même contre un Kha'Zix dans la jungle, donc du coup c'est chiant. Mais bon, non, j'ai ma Sejuani, la légende du 5-1-8, ça devrait bien se passer, on l'espère. C'est comme ça qu'il va sortir du bronze facilement. Et deuxième mois d'abonnement pour Anankuras qui devient encore plus beau, merci à toi. Donc oui, pour tout sur YouTube, lorsque vous arrivez sur le live Eclipsia et que vous abonnez, vous devenez encore plus beau. Un secret. Les plus grandes boutiques d'esthétique se l'arrachent, c'est incroyable. Quand on peut du prendre du plaisir à jouer, c'est marrant, je sais Jani, moi j'aime bien. Je trouve ça fun. Vas-y, moi je vais mettre mon Z, hein, c'est mort. Hein. 100% il est parti. 100% il est pas là. Hein. Genre là, on a fait un tour de jungle complet. C'est pas ouf. Oh merde, je regardais pas. Bon. C'est que 50 gold, ça donne plus de gold à mon équipe, c'est bien. Qui a pris le first blood? Oh, c'est le Ramuz. Oh, il va back. Ah. Lucas, c'est l'amo. Ok. Lucas est l'amo. Je sais pas, bref. Oh putain, par contre, j'ai pas d'aide pour ma jungle, c'est un cauchemar. Je déteste. Et je peux mémoriser d'auto-attaque en plus, parfait. Allez, aide-moi, mets deux auto-attaques, ce sera bien. Allez, une troisième auto. Oh, il met bien. Oh, il met bien. Oh, il met bien. Honnêtement, il a régalé. Donc, Kelarvessel, je vous connais que depuis votre arrivée sur Twitch. Vous êtes trop plaisant à regarder. On pourrait-on avoir plus de bronze game? Cette émission le fait tard derrière. Bah, ça dépend justement de Kamel. C'est lui qui s'occupe de cette émission. Et tu auras qu'à lui demander. Mais non, il en a un prime, genre à chaque fois. Donc c'est plutôt cool. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Frère. Non. Oh, j'ai eu! Ouais! LOL! Le flash Kha'Zix. Oh, il a pas eu le blue, ce connard! Il a voulu me counter, il a pas eu! C'est incroyable d'en arriver là quand même. Ah, par contre, est-ce que je peux faire mon raid? Je suis pas sûr de pouvoir le faire. Je suis quand même quasiment sûr de pas pouvoir le faire. Je viens de tuer mon smite en plus. Hein. Ouh! C'est chaud. C'était très très chaud. MDR le Kha'Zix. Oh, il vient de faire un move absolument dégueu. C'était ouf quand même, hein. Étonnant. Fallait pas smite maintenant. Si, je préférais smite maintenant, comme ça je suis assez safe. Genre là je me disais il allait pas venir me counter quand même. Donc les abonnements de Portal ne marchent plus. Il me semble qu'il n'y a pas eu ça. Il y a jamais eu ça, il me semble. Et donc oui, je suis de retour à Ponto. Donc c'est sur les pays manquants. Ouais, mais j'étais déjà mal. Une potion, il a pas? Un lucky. Bon farming ça, mais c'est pas grave, on prend de l'XP, c'est le plus important. Là le farming n'est pas le plus important. Donc je vais arriver au top. Laisse moi juste prendre ça avant. Ignite. Ah ouais, le mec il time tout. J'ai pas en flash par contre. Ah, dommage. Il a pas pu l'avoir. Et noir d'ici. Dommage. Est-ce que je peux aller mid là? J'essaie d'aller mid. Mais il est en train de full push, du coup je peux pas. Il va sur Sten, dur.
Voilà, petit trade très court, pas besoin de faire plus, on repart. Tapeline par contre c'est chaud là, je peux pas l'aider. Hein. T'as mis casse les couilles à demander de l'aide lui. Ah. J'aime pas. Genre spam les ganks avec Sage, j'aime pas. Je préfère farm au level 6 et avoir de l'impact au level 6. C'est souvent ce que je fais d'ailleurs. Et ça marche en général plutôt bien. Qu'est-ce qu'il m'a vu? Un bonheur. C'est bien. Il est passé level 6 au bon moment, heureusement pour nous. Par contre, le Kaïs qui est déjà level 5, laissez-moi juste farm tranquille. Ça casse les couilles. Ok, je vois, il est reparti vers le haut, c'est bon. Un des problèmes majeurs de ces jeunes aussi, c'est qu'en early jungle, c'est pas facile quoi. Ce qui fait qu'on galère énormément. Au début, il m'a dit ping back et après il y a été en plus. C'est ça qui me tilt, tu vois. Je suis en mode bon bah. Soit c'est oui, soit c'est non, mais c'est pas les deux quoi. Il manque encore. Je vais prendre les corbins pour avoir justement les. Au moins les cendres. Et ça me permettra de clean ma jungle beaucoup plus facilement. Encore l'option d'achat, je disais parfois attendre, faut que j'aille à la banque demain et on verra du coup comment ça se passe. Parce que oui, il faut bien avancer dans la vie. J'ai bientôt 25 ans, il serait temps de se trouver un petit logement cool. Parce qu'être chez ses parents en 25 ans, c'est pas ouf. Sauf si tu es encore en études et t'as pas le choix. Dans 2 secondes, ok. Il hold souvent la lane, c'est pour ça qu'il est en avance en termes d'XP le Kha'Zix là. Il est vraiment pas mal là. Grâce à ça. Donc toi qui joues top, c'est pourquoi il y a eu genre 2 mois, Rami c'était OP au top, il a disparu d'un coup alors qu'il n'y a pas eu de nerf parce qu'il y a eu un up de, d'items qui ne convenait pas spécialement à Rammus, un nerf des items qui lui convenait bien, et du coup ça a fait que Rammus ait un peu disparu. Genre c'est pas spécialement par le champion en soi reste bien, mais les items ont fait que ça l'a un peu défoncé. Faut souvent prendre en compte ça. Hein. C'est la chose la plus importante, les items quasiment. C'est ce qui permet de déterminer quel pick est vraiment fort en ce moment ou pas. Et en plus ça, il me semble qu'il a été nerf. Genre de mémoire, il a été nerf. Je ne suis pas certain de ce que je dis, mais il me semble. Ouais, je vais essayer d'aller gank au mid. Coming bots. Il y a eu un nerf sur le T, ouais, voilà. En plus. Oh, les bots. Je peux pas. Ils vont pas les laisser push. C'est impossible, on les aura jamais là. Quoique, ça peut le faire. Arrête de push. Coucou. Vas-y. Mais putain, ils sont en train de full push alors que je suis là, c'est con. Casse les couilles. Casse les couilles. Mais non, mais... C'est chaud. Oh l'enfer. Oh l'enfer de ouf. Ils sont 4 bots, on est mort. Non, oh, ils auraient pas dû go comme ça. L'enfer. C'était pas ouf.
Je vais prendre ça. Je sais pas pourquoi j'ai voulu suivre, ils auraient juste dû attendre un peu. Et du coup ils ont fait un move de merde. Quoi? Elle était où? Ah, j'ai posé sur lui. Z, you carry this game. Non, le Z il est bien en farm donc ça va. Non, je pense qu'on peut le faire. Putain de la merde. Donc là au niveau du farm, le Ramus c'est pas mal parce qu'il a récupéré le first blood. Mais depuis le first blood, il y a 1-6. Donc du coup c'est dur. Ok. Pas mal, on arrive à push un peu. Ouais, level 9. Je pourrais pas l'avoir, je pense. Je pense pas qu'on ait les dégâts pour la tuer là. La petite fure actuellement. Et d'habitude, c'est comme ça qu'il faut jouer. Genre, moi en général, quand je joue, il y a tendance à ne pas spécialement gank en early. Et essayer de mettre une meilleure pression ensuite pour essayer de les défoncer. Mais là, genre, les gens me demandent des ganks partout et ça me rend ouf. Bon, la botlane pour le coup, c'est moi qui ai forcé. Et c'était pas une bonne idée. Mais sinon, en général. Le fait que le Kha'Zix soit là, le fait que le Ramus me demande des ganks, m'a fait tilt de ouf. Parce que j'aime pas jouer comme ça. Casse les couilles. J'aurais jamais. Ah, j'aurais pas. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Je suis obligé de tenir la mid lane. Et j'ai bien peur que ça ne se passe pas exactement comme je le veuille. J'essaie juste de prendre l'XP moi. Je peux pas. Je peux pas prendre l'XP, c'est mort. Laisse-moi juste prendre l'XP qui tombe là. Voilà. Pas besoin de prendre grand chose de plus. Voilà, je back. Est-ce que je peux acheter mon item? Ok, je peux acheter. Bien sûr que tu peux trade. Le Z n'a pas l'air mauvais en plus, c'est ça qui est dommage. Le farming ça va. Le farming ça va sur toute la lane plus ou moins sauf la top lane. C'est de pas trop être en... Oh, cauchemar. Ils avaient perdu en 2v2 de toute façon. Le 2v2 était déjà perdu parce que MF était mort. J'avoue que deuxième Sona que je joue en deux games et deuxième Sona qui fit c'est mort. Est-ce que ça vient du pic? Je me demande. Le cas c'est que level 8 alors qu'il a 2-0-5. Oh, il devrait mettre tellement de level. Bon, ok, il est level 9 maintenant. Vous êtes à combien? 0-3? Ouais, c'est dur. On arrive à push la lane là. Au top, c'est mort pour lui, il peut plus rien faire. Ouais, je pense honnêtement, sur un bon teamfight, en mid-late game, ça peut le faire. Moi, je suis quelqu'un de confiant. Il a pas parlé le Z depuis le début de la game. Il a pas parlé. Oh l'enfer. Je vais faire mal moi. Moi j'ai confiance.
En mes capacités personnelles, j'ai confiance. En capacité de mes alliés, beaucoup moins. Allez, tape-moi cette tour. Nice. Bien. 4-0 sur ce move. Moi je vous l'ai dit. Ma Sejani, j'ai confiance. Y'a pas de souci. Ok, c'est bien. Donc là on leur a mis un ace. Je sais pas comment on leur a mis un ace, mais on leur a mis un ace. Donc pour la musique, vous avez le nom de la musique tout en bas à gauche, hein, comme d'habitude. Ce set est propre. Voilà, c'est le premier move qu'il fait de pas mal. Après, pour le coup, juste, il a pas eu de chance tout à l'heure. Il tente des moves, mais à chaque fois, il se faisait avoir par le jungler qui est Kha'Zix. Est-ce que je peux vous laisser quand? Sans vergogne. Je vais vous laisser quand sans vergogne, allez. Oui, on utilise le terme vergogne hein, en 2016. Hein. Oui, oui, oui. La full push, là. Je suis là pour t'aider, frère. Et te voler tout ton farm. Ouais, si tu veux. Ah, laisse-moi back, j'ai 3000 gold. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre un peu d'armure. Je vais prendre un présage de ronde ou un contre-tien. Ce sera bien. Est-ce que c'est le meilleur truc? Je sais que c'est pas mal en item défensif actuellement. Il faudrait pas que je prenne ça. Ouais, c'est mieux. C'est le même prix. Sauf que ça a des stats un peu plus intéressantes. Je prends un Tabi. Ouais, Tabi contre eux, je pense que c'est plus intéressant. Ils ont un stun. Donc en gros, avec Anivia, une petite bubule avec Nami, c'est tout. Donc je pense que c'est un peu mieux. What the fuck? Là, qu'on mouffe là. Nice, les gars. Dommage. Parfait. Faut que j'aille les aider. Ok, parfait. Pas besoin d'aide. Doublé de la part du Z, c'est nickel. Donc Ramus va les bots et ils vont continuer le push au top. Moi je vais essayer de tenir le mid. Ils ont 0 critique, ouais mais Osef. Ce sera bien, ce sera bien. Je sais pas si ça compte. Moi j'ai pris un choix de build là, c'est bizarre, on est bien d'accord. Mais moi j'aime bien le rendement en ce moment parce que ça me permettra de mettre un CC supplémentaire en plus. En plus de slow. Il est seul dessus. Ouais, il est seul dessus. Ok, voilà. Il veut le faire à deux là? Non mais non mais non mais non mais si. Ok go. J'ai mon smite donc c'est ok. Faut qu'on se tire. Allez merci. Ah, dur. Ah, dur. C'était pas ouf. Mais j'ai le Drake. C'est bien. C'est un move très très greedy. Non, par contre là, non. Par contre là, c'est un non. Ouh, il était un peu beau jeu quand même. Hein. Ouais, ça, c'est un non. Le Ramus, il avait son flash. Il l'a peut-être récupéré à la fin. C'est pas ouf. Pourquoi nope? Il est chelou lui. Il est stupide lui. Par contre j'ai mis un beau but, on est bien d'accord avec mon ultimate. Je voulais pas le relever mais j'avoue que le but était beau. Donc, j'ai mon Tabi. Je commence à tanker plutôt pas mal. Le seul problème c'est la Nivea maintenant. Mais laisse moi le farm toi, qu'est-ce que tu fais toi avec ta Sona? On va pas prendre du farm. Ok. Ah, par contre, on est sur une musique légale, l'ancienne. Qu'est-ce qu'il veut lui?
quand même rester calme sur mon blue. Casse les couilles. Ok. Lui le Warmog en deuxième item. C'est vrai que Warmog en soi est pas mal. Hein. Genre c'est pas le pire item quoi. Voilà, mid life. Il a un peu plus de mal à me tuer quand même. Dommage. Dommage. Nice. Nice. Parfait. Bon move ça. On tanque un peu quand même. Hein. On tanque un peu et on fait mal. Donc c'est agréable. Better back. Est-ce que la Warmog serait bien? Warmog donnerait beaucoup de PV. Mais je préfère avoir des stats en vrai. Bon, tant pis, on va tenter. On va tenter la Warmog. Je sais pas trop ce que ça vaut honnêtement. Mais vu que ça me donne un peu de CDR, ça peut être intéressant. Et la scène a trop bien joué. J'avoue, elle a fait un flash, elle a fait un Q-spell, elle a fait ulti sur le Ezreal. Elle les a défoncés. Elle était très très bonne. Donc après, je vais prendre quoi? Ils ont un peu de dégâts magiques quand même. Faudrait que je fasse un item RM. C'est intéressant. Et moi je te suis, hein. Sauf que tu l'auras pas quoi. Bon, c'est bon, c'est bon. La flash out, c'est parfait. Merci à toi pour cette wave d'XP. Est-ce qu'on tentait le lâcheur? M'étonnerait. Ils peuvent pas. Ils peuvent clairement pas faire le nashor. Oh, une sauterelle qui saute juste devant moi. De la merde. Oh, cette game est tellement chaude. En vrai, on peut tellement la gagner facilement, mais juste. On a un Ramus qui est déjà super négatif. Et qui casse les couilles depuis tout à l'heure. Chiant. Mais c'est bon, ils font pas d'achat, c'est parfait. Ah, j'ai pas dessus. Quel dommage ça. Ah, c'est dommage, j'en avais mis un bon flash ultimate. Enfin, un bon dash ultimate, pardon. C'était correct, mais malheureusement pas suffisant. Ouh, malheureusement ce n'est que l'œuf. Donc 2-0, ça met pas bien. Je vais prendre un peu plus de PV, je prends un peu de MR après. Mais tire-toi. Oh lolololo. Oh lolololo, c'est terrible. Par contre, j'ai fait un flash, mon pote. J'ai flash sur la Fiora, c'était pas ouf. La Fiora est bien là dans sa game, hein. 3-3, elle est pas mal. Là aussi, on était en 4v5, donc forcément, on a voulu fight en 4v5, c'était pas ouf. Lol. Ramus. Stop talking. Le mec, il fait exactement pareil que le mec. Il sert à rien non plus. Et il ose parler. Cheval 13. C'est pas mal, bon. Continue ta Warmog. Mais c'est avec ça que tu fais Warmog en 2016, voyons. Regarde. Ah, les mecs. Plus de farm. Ils vont prendre le Drake. Ce serait leur deuxième Drake. Ça va. On n'a pas le choix de toute façon. Plus ou moins obligé de leur laisser. Il casse les couilles, il veut prendre tout le farm de la map aussi, c'est vrai.
fuck, stop. Casse les couilles lui. Ah par contre le Kai il est bien maintenant. Donc l'avantage c'est qu'on a quand même une meuf qui est un peu farm, donc ça va. C'est chiant. Ok, donc ça va. Ils ont voulu faire les beaux, ils ont voulu chercher ces Johnny. Bon, pas ouf. Pas chaud. J'ai une ulti aussi. Ok, j'ai mon ultimate. Là, c'est le moment où il faut pas de choke. Attends, mais ils ont bloqué là, c'est quoi? Nice. J'aurais pas là? Je rends pas l'avoir là? Merci. On a tué 3. 3 pour 1, ça va. 100% worse. On a peut-être pu finir de la charme, c'était risqué, donc ils ont eu raison. Donc je suis level 15, faut que j'aille rush mon level 16 et ce sera bien. Donc là je suis le plus haut level de la game avec Anivia et Fiora. Donc c'est pas mal. De toute façon c'est toujours comme ça, quand je joue ces Johnny, j'ai tendance à overfarm et à mettre des levels d'avance au jungler adverse pour essayer de ensuite load utilité, on va dire, en team fight. Du coup là pour l'instant ça marche plutôt pas mal. Je vais partir sur une Warmog. Je vais faire ensuite un peu de MR, je pense. Je vais faire une GA, tiens. Oh, je vais faire une GA, ce sera horrible. Je vais être en femme avec ma GA, Zigo. La GA coûte pas très cher en plus, donc c'est bien. Après, moi, je suis vraiment un connard qui fait que farm hein, dans ma jungle. Hein. Genre 146 à 109 creep. Et pourtant, le Kha'Zix, ça a pas mal farm sur les lanes, tu vois. Donc on est bien. You got TP. So, go fast. Play safe mid. Ok. Je suis bloqué dans le mur. Arrêtez. Ah mais les gars, réveillons-nous. Réveillons-nous très très vite. Genre au bout d'un moment. C'est pas comme ça que vous allez me tuer. On peut pas. Nash, l'XP top, ouais, ok. Faut la laisser au Z. Le Z est trop out level, faut lui laisser un peu d'XP en solo. Bon, d'habitude je l'aurais pris en solo ça. Dommage. Pas bien de mes go là-dessus. Ok, j'ai débloqué. Pas assez longtemps malheureusement. Flash Kha'Zix, ok. Un power back. 1 minute 30 mon ultimate, par contre là ça va être chiant. C'était pas ouf. Donc je vais attendre d'avoir assez de gold. Plus 265 PV par seconde, bah, c'est normal, quand t'as le red buff c'est insane. Donc là il me faut mon level 16. On va faire un dasher là.
Si ta chaîne lit bien ses lunettes qu'en Belgique, elle doit ressembler à un pro gamer. T'inquiète, tu vas être super fort en plus. Parce que oui, bien entendu, si tu t'abonnes, tu es beau. Si tu achètes les lunettes Station grâce au code RB, tu deviens fort au jeu vidéo. C'est dingue. Oh, il veut le prendre là vraiment? Ça me fait chier. Est-ce que je passe le level 16 sinon? On le Drake, c'est un quoi le Drake? C'est un Drake d'eau? On s'en bat les couilles. C'est chiant, mais tu vois, genre, par rapport à un Asher, ils peuvent pas se permettre ça. Nice. Ok, c'est les couilles. Donc là, il va faire full push. Ok, go mid. Merci à vous. Oh, c'est un bon champion, hein. Allez, tue-le pour moi. Merci. Donc là, 4-0 sur ce teamfight. Le Kha'Zix et la Nivea se sont pété les dents sur ma gueule. On a pu les défoncer. La Miss Fortune les a aussi défoncés avec son ultimate. Donc ça va, c'est pas mal. No smite. Je préfère prévenir maintenant. Merci à toi, c'est bon. Ok, c'est bon. L'avantage de jungler quand t'as pas de smite, on peut pas te blâmer pour avoir fail ton smite. Donc du coup c'est bien. 5-1-8, ouais là je suis à 5-3-5 là, pas assez. Mais de toute façon, quand je joue Sejuani, genre. À chaque fois, genre, je fais des games qui sont bien, tu vois. Genre, je devrais jouer Sejuani pour essayer de monter, mais. Pff, ça me fait chier de spam Sejuani, tu vois. J'aime bien la jouer de temps en temps, mais la jouer tout le temps, ça me ferait chier. Après, j'avoue qu'on a un Momo qui est vraiment violent quand même. Par contre, j'ai pas de smite. Est-ce grave? Non. La Fiora est là, level 15. Elle est que level 15? Elle était level 15 il y a 10 minutes déjà. Enfin, écoute, tant mieux. Moi, je vais pas me plaindre de voir une Fiora qui est level 15 actuellement. Donc, j'ai Magia maintenant. Je partirai ensuite sur quoi? Je partirai bien sur genre un gantelet, un truc comme ça. Un gantelet, ça me ferait du bien. Et ça pourrait me permettre de faire un peu plus de dégâts. Sur ça, comment c'est Johnny un pick console? Pas spécialement, mais vu que j'aime beaucoup jouer c'est Johnny et que je trouve ça correct dans la méta, bah je la joue. Mais je le conseillerais pas à n'importe qui, tu vois. Je le conseillerais plus de jouer par exemple, je sais pas moi, Kindred, ce genre de choses, tu vois. Kindred, Echo, tu vois, c'est des picks qui sont plus méta que c'est Johnny. Mais c'est Johnny, tu peux avoir beaucoup plus d'impact sur un teamfight, donc c'est ça aussi l'avantage. Donc tu fais jamais le stream de nuit ou du matin tôt, car bon, le camel il prend toutes les sales horaires. Mais c'est parce qu'en gros, il m'a dit que ça le dérangeait pas de base, tu vois. Sinon je leur ai pas donné les horaires. Je donne des horaires que les gens veulent. Enfin, que ça ne dérange pas trop. Parce que bien entendu après genre tout le monde ne peut pas avoir genre des 18h-20h, tu vois. Mais on va essayer de faire des trucs cool, genre en gros de 20h à 23h, on va essayer de faire des trucs bien. Oh, le gage de sac à proc. Merci à toi pour ce flash. Bon, allez, moi je vais voir. Il est ralenti par ma magie. Oh non, ça c'est chiant ça. Ça c'est chiant. Bon, j'ai encore mon GA heureusement. Bon, là ils arrivent pas à me tomber, c'est ça l'avantage de ces Sejuani. C'est que t'es un tank de ouf. Genre c'est improbable qu'ils viennent te chercher. Vas-y, je vais back. Je vais laisser démerder. Ah, c'est sur quoi, hein? Lol. Ah, il reporte you. Genre juste... M'en bats les couilles que t'étais tilté. Genre, il était horrible à jouer avec. Ils peuvent report, mais le truc, c'est que moi, j'ai rien dit. Don't forget to report Famous for being toxic as fuck.
Oh, dommage. L'Orem s'excuse après, tu vois, après qu'il ait fait full merde. Je suis à 5-3-7 pour l'instant. Là j'ai mon ultimate de up. Je suis quand même level 18. Je suis parti sur ça. Pourquoi je prends ça? Je vais pas prendre ça de base. Et je suis en train d'écrire, je suis en train de parler. Je vais pas prendre ça de base. Bon, tant pis hein. On va faire ça avec hein. On va faire ça avec ça. Oh, salut. Oh le but! Oh non le but! Oh, je suis désolé pour ce but. Vas-y, hein, prenons l'inhibiteur hein, du coup, hein, vu que la MF on l'a laissé tomber. Comme de la merde. Oh là 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 là, j'ai mis un but incroyable. Ah, c'était terrible ça. Je suis désolé pour ce, pour ça. Ah, ils vont vraiment def encore là. Oh non, elle est un bug. Ce serait chiant de perdre la game quand même là-dessus. À l'aide. Allez, laissez-moi repartir tranquille, ce sera bon. En tout cas, déjà 200 creeps hein, en jungle. Hein. Genre vraiment. Hein. Vraiment en jungle, je suis le pire. Genre, je fais que ça, je fais que farm comme un connard. Je mets les ultimates et à la fin, j'ai def. Bonne ward. Push as 5, wait, 6, and we win. Même à 4 on gagne. Pourquoi j'ai pris un médaillon de l'Iron Solari? J'ai 5600 PV. Ah oui, je suis un monstre là. Ah oui, je suis un monstre. Pourquoi t'es pas dans les 23? Ah j'avoue, en remplacement de Giroud ça aurait été mieux déjà. Désolé mon pote, ça c'est mon raid. Oh, just rush, finish it. Drag and Nash, mais mec, ils veulent vraiment la jouer aussi safe que ça? On gagne easy là. Hein. Par contre, j'ai eu que les 3 waves de super creep. Un enfer à défendre tout ça. Qui va être avec elle là? Bon smite en tout cas de ma part, hein, mais bon, c'est ok, ça passe. On a le dragon ancestral, on va pouvoir finir et ce sera parfait. Nashor, mais on s'en branle du Nashor, les gars. Est-ce qu'on a vraiment besoin du Nashor pour finir cette game? J'ai besoin que je mette un ultimate et c'est fini. Là, j'ai besoin de taper les objectifs, les gars. Là. Regardez. Ok, voilà, tout simplement. En bonne ultimate, hein, comme je disais. Hein. Non, tu l'as pas, je te ralentis. C'est mort, tu l'auras pas, je t'ai dit. Finissez, mes chers alliés. Allez, tape-moi. La Fura qui peut pas 1v1, c'est jeune, c'est terrible. En tout cas, un autre but, encore une fois. Hein. Genre là, honnêtement, sur ce match, on a fait un petit coup du chapeau. C'était vraiment extrêmement propre. On passe du coup en BO pour Diamant. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Donc, est-ce qu'on a eu un S? On a eu S-. Non! Non, tout ça à cause des ultimates piffés. Quel dommage. Donc dégâts infligés, on n'a pas été ouf en dégâts infligés, mais c'est normal. On a tanké à mort par contre, donc ça c'est logique. Et nous allons bien entendu report. Mon jeu s'est fermé. Oh, je suis trop déçu. Je voulais report. Mais non. Pourquoi mon jeu s'est fermé? Oh, j'ai archi le seum. J'ai archi le seum. Mon jeu il s'est fermé. Mais j'ai cliqué sur la croix, j'ai pas cliqué sur report. J'ai cliqué sur...
Non, j'ai cliqué sur report, je suis sûr. Je suis sûr que j'ai cliqué sur report. Je sais pas, je suis def. Bon bah unlucky hein. Unlucky, unlucky, mais bon. C'était quand même assez cool, j'espère quand même que vous avez apprécié cette petite game qui m'a permis de repasser en BO pour Diamant 1. On va du coup enchaîner avec le Diamant 1 juste après une courte page de pub parce que ça fait quand même déjà 4h15 que je stream sans mettre de pub. Donc bon, dedans, je vais quand même mettre 5 minutes histoire d'aller me ressourcer un peu, chercher un petit truc à gagner et ce sera bon. Donc voilà, pour tout ce qui est sur live, on se retrouve d'ici 5 minutes. Pour tout ce qui est sur YouTube, bah du coup, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, vous abonner à la chaîne, etc. etc., etc. Voilà, vous rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo ou.